Je suis le frère Charles Biaï, disciple du pasteur Menye Boniface. En 2022, j'ai prié et Dieu m'a exaucé. Il m'a exaucé au-delà de ce que je leur ai demandé. Alléluia. Je me suis inscrit à la préparation d'un examen depuis 2020. Ils ont fait 3 ans. Et cette année 2023, ça devait être la dernière année. Donc, avant le renforcement de 2022, Dieu m'a accordé la grâce de prier. Alléluia. Pendant que nous étions dans la croisade, notre direction générale avait décidé de nous rembourser les frais que nous avons engagés pour nous inscrire à l'examen. Et l'examen, c'est le certificat international en audit interne, le CIA. Alléluia. Je suis administrateur des services principaux des services financiers et je suis auditeur interne. Et quand nous avons reçu notre argent, c'était l'année passée au cours de la croisade, je suis venu ici avec les 830 000 francs que la direction m'a remis en remboursement des frais que j'avais engagés pour la préparation à l'examen. Et l'argent était dans ma poche. Quand nous sommes arrivés, j'avais le chèque du mois. Et nous sommes arrivés, nous avons parlé des vœux. Le pasteur a parlé des vœux. Et donc je suis reparti, j'ai retiré le chèque. Et les 830 000 francs le lendemain, quand je suis venu, j'ai mis tout dans la main du pasteur de Gonzague, je crois bien. Alléluia. Et je suis au Seigneur que... Jesus. Je suis en train de préparer le CIA 3, que Dieu m'accorde le CIA 3 en un seul trait, avec une seule composition, et qu'après ça, je suis en nommé IVP. Dans le service où nous sommes, il y a les CV qui sont les chefs de service, il y a les IV qui sont les sous-directeurs, et puis il y a les IVP. Ce sont des anciens directeurs, ceux qui ont déjà occupé des postes de direction, et qu'on amène à l'inspection, et qui vont contrôler les directeurs. Donc, ils sont au-dessus des directeurs, les IVP. Et donc, quand j'étais IV, j'ai dit à Dieu que je veux être IVP, simplement. Et parmi les IVP, il y a les chefs de département qui sont au-dessus des IVP, il y a les chefs de division qui sont au-dessus des chefs de département. Et par la grâce du Seigneur, quand j'ai composé en février 2023, pour la première fois, j'ai échoué à 7 points. Et donc, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, j'ai donné 830 000 francs disant que je veux réussir à la première composition. Et puis les 830 000 francs sont partis comme ça, j'ai échoué à 7 points. Donc je me suis arrêté pour là et je suis reparti. Le 30 mars 2023, pour la deuxième fois, et là même c'était grave. La première fois j'avais échoué à 7 points. La deuxième fois j'ai échoué à 39 points. Ok, j'avais même échoué là, et en tout cas l'échec était grand. Vraiment, frère, je me suis amené de courage par la prière. Le pasteur m'a encouragé. Et je suis reparti pour la 3e fois. Et cette 3e fois, le Seigneur a fait le miracle. Alléluia. Jésus-Christ. Quand j'avais échoué la 2e fois, l'examinateur, ou bien celui qui donne les résultats, m'avait proposé une solution qu'il avait donnée. Il lui a dit que non, moi, je suis un pasteur, que je ne fais pas ça. Et il m'a dit, ok, j'ai acheté des examens, des exercices pour une dame que j'avais aidée, donc je vais te donner. Et il m'avait donné ça en anglais et j'ai fait traduire, frère. C'était à 60% les sujets de l'examen. Et je suis reparti la 3e fois, j'ai eu le CIA 3. En tout cas, en 1 heure, je pourrais finir le devoir. Tout était facile devant moi. Alléluia. Et donc, j'ai fini. J'ai fini l'examen à 8 heures. Et à midi, on nous appelle au bureau. Avant que je ne compose, j'avais déjà un premier qui avait le CIA 3, le CIA en décembre 2022. Et celle avec qui j'avais composé en février, elle avait déjà eu, donc il y avait déjà 2 certifiés. Et moi, j'étais sur le 3e. Et pendant que nous étions dans cette phase, il y avait un chef de département chez nous qui avait été nommé secrétaire général de l'ENA, en tant que DGA qui est parti à l'ENA, en tant que secrétaire général, dont le poste de chef de département était vide. Et 2 semaines avant que je ne compose la partie 3, en mai, notre chef de division avait été nommé inspecteur général adjoint. Et donc, il y avait maintenant 2 postes. Il n'y avait pas de nomination. Donc, c'est le jour que j'ai composé, le 3 mai 2023, quand j'ai eu l'examen. À 8 heures, à midi, on nous appelle au plateau pour dire que, pour nous proposer les postes. Le premier qu'il avait eu, on lui a dit, non, toi ici, c'est les administrateurs qui sont prioritaires. Voilà, 2 administrateurs. Toi, tu as eu le CIA, c'est vrai, tu as eu en décembre. Mais ici, c'est ceux qui ont fait l'ENA 6 supérieur, qui sont prioritaires. Donc, il me dit, toi, tu seras le chef de département audit interne. Alléluia. Et ma collègue était déjà directeur, quand elle a eu le CIA, donc elle est devenue chef de division. Alléluia. Pour être chef de département, il faut d'abord être IVP. Moi, j'étais IV, je n'étais pas IVP. Et moi, j'ai demandé au Seigneur que je sois IVP quand je vais avoir le CIA. Acclamation à Jésus-Christ. Et j'ai le CIA, on dépasse IV et on me nomme chef de département. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc, moi, je demande au Seigneur être IVP, on me nomme chef de département au-dessus de IVP. Donc, en tant que j'étais encore sous-directeur, j'étais IV. Et ce que j'avais demandé déjà au Seigneur, en tant que ce que j'ai demandé au Seigneur, l'IVP, c'est une régularisation. Alléluia. Parce qu'on ne nomme pas un sous-directeur chef de département. Et moi, j'étais sous-directeur quand on m'a nommé chef de département. Alléluia. Donc, ce que j'ai demandé au Seigneur, Dieu a dépassé ça. Il allait au-delà de ce que je lui ai demandé. Jésus-Christ. Acclamons. Je suis la sœur Nyadri Rabé dokas, des professeurs, l'ancien frondeau de Benjerville. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a exaucé. J'avais levé un sujet l'année passée parmi mes 10 sujets. Que le Seigneur me bénisse avec le CP, l'année scolaire 2023. Qu'il me bénisse avec le CP et qu'il bénisse mon fils avec le CP, l'entrée en 6e aussi. Et le Seigneur vraiment m'a accordé ce CP. Je dis merci au Seigneur. Avant, à l'école primaire, lorsque j'étais encore petite à l'école primaire, j'ai commencé bien. Mais le jour de l'examen, j'étais très malade, je n'ai pas pu composer. Et je n'ai pas eu mon CP ni l'entrée en 6e. Et mon papa a décidé de payer la classe de 6e pour que j'avance. Mais quand je suis arrivée en 5e, 4e, ça n'allait plus. Donc j'ai arrêté les études. Et j'ai commencé à apprendre un métier qui est la couture. Et j'ai eu des enfants, en tout cas j'ai grandi, tout ça. Et les gens comme ça me disent, mais tu es intelligent. Quand je donne mon niveau aux gens, me disent, tu ne ressembles pas à ton niveau. Que tu es intelligent, tu peux reprendre les cours. Donc j'ai décidé, j'ai dit au Seigneur, que tu m'accordes l'intelligence et la sagesse pour pouvoir reprendre les cours l'année prochaine. Je vais commencer par le CP que je n'ai pas eu. Et ensuite, je vais avoir le BPC et le bac, et même la licence, quel que soit mon âge. Acclamation à Jésus. Et j'ai repris les cours. À l'école primaire, je n'ai jamais été première, ni parmi les 10 premiers. Et le Seigneur m'a accordé d'être toujours la première de ma classe jusqu'au jour de l'examen. Je veux remercier le Seigneur. Et pendant un mois avant la compo, je suis tombée malade. Et le Seigneur m'a demandé de prier pour mon sujet en Gethsémané. Et j'ai commencé un lundi. J'ai commencé, c'était le même sujet. Seigneur, bénis-moi avec le CP, l'entrée en 6e, moi et mon fils. Bénis-moi avec le CP, l'entrée en 6e, moi et mon fils. Et le mercredi, j'ai fait un songe dans lequel j'étais dans une salle de compo et ils ont déposé ma feuille sur la table. Quand on a commencé, j'ai pris mon billet, je voulais commencer, du coup ma feuille a disparu. Donc j'ai commencé à demander à nos surveillants, tout ce qui était autour de moi, ils disaient, vous n'avez pas vu ma feuille? On dit non. Donc je suis sortie de la crème, je suis arrêtée devant la porte et j'ai commandé, j'ai dit au nom de Jésus, la personne qui a pris ma feuille, qui vient déposer afin que je puisse composer. Et je suis rentrée dans la salle. Quand je suis rentrée, je suis venue trouver ma feuille sur la table et j'ai composé. Et quand j'étais assise, je me suis tournée, j'ai vu une vieille femme, une très vieille femme, nue. Elle est sortie, derrière, au niveau de mon banc, elle est sortie, et elle est sortie de la classe. Et quand je suis allée composer, le Seigneur m'a béni avec 151,5 points, et a béni mon fils aussi avec le CP, la 36e. Que son nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Jésus-Christ. Je suis la sœur APA Françoise Romaine. Mon faisait disciple, c'est le frère Laurent Gris. Il faut dire que à la croisade 2022, mon côté droit là, c'était divisé, le diable s'est débrouillé. Mon pouce, ça a commencé par mon pouce droit. Je ne peux même pas toucher le fil de la machine à coudre. On dirait que c'est sur lame, une lame que j'ai mis mon doigt. Et comme ça, ça a descendu dans tout le bras. Ce bras droit est devenu pâle, il n'y a pas le dessin dedans. J'étais divisé en deux et j'ai crié à Dieu. Oh Dieu, j'étais à la maison, j'ai crié à Dieu. Oh Dieu, regarde encore ma situation, souvent je suis malade. Une voix m'a dit, réponds à l'appel du couple missionnaire à Attiékoa. J'ai fait mon bagage, j'ai serré ma ceinture sur place. Je suis venu m'asseoir ici. J'ai fait 10 jours même. Un jour, au cours de la prière, je suis parti me laver. Après la douche, j'étends ma main pour mettre pommade. La main a changé. Oui, il n'y avait pas de temps. La main a repris vie. La main qui était pâle, il n'y avait pas de sang là. C'était très difficile pour moi, mais par la grâce de Dieu, je me débrouillais. La main a repris vie. Je suis resté ici. La croisade a été achevée. Le missionnaire a dit... Même si Dieu a commencé ta guérison, même s'il ne t'a pas touché, la croisade n'a pas de fin. Ça va vous accompagner à la maison. Cette maladie est descendue dans mes pieds. On dirait que c'est des fourmis ou bien du sable qui se promène. Je ne peux même pas mettre mes pieds dans la chaussure. Quand je mets mes pieds dans la chaussure, je tremble. Mais j'ai toujours crié à Dieu. Ça a fêté aussi 2023. Mais où je vous parle là, je ne sais même pas à quel moment ça a disparu. Jésus-Christ m'a délivré. Il faut dire que ça, c'était pas une mince affaire. Hein? Un esprit de paralysie, un côté mort. C'était ça, comme nous le savons tous. Mais Dieu m'a délivré. Je souligne, frère, quand ici à la CMCI, j'ai trouvé Jésus, j'ai tout trouvé. Que son nom soit béni. Amen. Je suis la sœur Zotao Marie-Louise. J'ai préféré disciple, pasteur Yaoui Eboa Benjamin de Bodokro. Je veux vraiment dire merci à Dieu pour toutes les bénédictions qu'il a apportées dans ma vie depuis que j'ai cru. Moi, j'ai cru en novembre 2021. Lorsque j'ai cru en octobre. En octobre, j'avais ouvert un maquis. Et on m'a prêché l'évangile en novembre. J'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais au concubinage. Et par la grâce de Dieu, mon concubin s'est donné aussi à Jésus. Et lorsqu'il s'est donné à Jésus, nous sommes rentrés dans le renversement des principautés 2022. Lorsque nous sommes rentrés, lui, il ne s'était pas donné avant, c'est pendant le renversement qu'il s'est donné. Mais lorsque je me suis donné, on a commencé à prier, j'ai pris vraiment à cœur. Et à un moment donné, lors de la prière, le pasteur a demandé à ce qu'on mette la main sur la tête. Pour toute maladie qui se tourne dans notre corps, pour que ça puisse quitter notre corps. Et nous avons fait cette prière. J'ai pris vraiment à cœur. Et nous avons prié. Lorsque je suis allée, j'ai fait un songe. La nuit, je me suis endormie, j'ai fait un songe. C'était comme si j'avais un ventre comme une femme enceinte de 7 mois. Et le ventre bougeait, le ventre bougeait. J'ai décidé de mettre la main dans le ventre pour voir ce qui c'était. Et je suis ressortie, j'étais ressortie avec une nounours dans la main. Et j'entends une voix qui me dit « Je t'ai guérie de la pénicilline ». Vraiment, moi-même, je ne savais pas que j'avais cette maladie. Vraiment, je veux dire merci à Dieu. Et en plus de cela, le Seigneur ne s'était pas arrêté là. Il a permis, parce que l'un de mes sujets, de mes 10 sujets, c'était que mon concubin réellement puisse se donner à Jésus. Et le Seigneur a permis qu'il puisse se donner. Et le Seigneur ne s'est pas encore arrêté là. Lorsqu'il s'est donné, bien avant ça, qu'il passait le concours, il échouait. À plusieurs reprises, il échouait. Et dans le renversement des principautés, le Seigneur a permis qu'il puisse réussir à un concours de fonction publique de 25 places. Le Seigneur l'a béni avec la réussite à son concours. Dans ma famille, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage, c'est la fornication qui règne. Mais dans le renversement des principautés, nous avons supplié le Seigneur vraiment de quitter dans cette situation de concubinage. Et le Seigneur a permis que la dot vienne à l'existence. Le 11 mars 2023, nous avons fait la dot et le mariage. Le mariage religieux sera le 12 août. 2023, juste après la croisade. Je veux vraiment bénir le Seigneur parce que c'est une grâce. C'est une grâce. Et en plus de cela, parce que dans le renversement, ils nous ont demandé de prier pour que le Seigneur délivre nos familles. Et c'était aussi l'un de mes sujets. Le Seigneur a permis que cette année, ma famille qui se trouve à Zon, je puisse rentrer, puisse se donner au Seigneur. Ils se sont donnés. Vraiment, c'est une grâce. Toutes ces bénédictions, quand je acclamation à Jésus-Christ. Je suis la sœur Bécoin Nyankon Adrienne Sarah. Je suis missionnaire de la prière. J'ai pris pour les missionnaires nationaux basés à Boaké. Gloire à Dieu. L'année passée, ce jour-ci, parce que c'était le premier jour, j'avais dit au Seigneur, je t'ai cru, délivre-moi de l'esclavage de la maladie. J'avais mon foie grillé, l'intestin était perforé par la fièvre typhoïde et j'avais une ulcère gastrique qui était infectée, donc je souffrais. Et quand nous sommes rentrés, j'ai dit ici, au deuxième jour, le Seigneur Jésus même est venu vers moi. Et quand il venait, c'était la lumière que j'avais vue. Donc je me suis mise en genoux. Et arrivé vers moi, c'est sa robe, j'ai pu attraper. Et une chose s'est passée en moi, une brûlure depuis la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Et frère, c'était ma guérison. Acclamation. La portée. Acclamation. Jésus-Christ. En septembre, j'ai repris le bilan de santé. Le docteur même était au labo quand il m'a appelé pour dire à Adrienne, le Seigneur s'est souvenu de nous. Il t'a guéri. Il dit, rends gloire au Seigneur parce que c'est lui. Je t'ai dit pendant ces 3 mois de ne pas prendre des médicaments pour ne pas provoquer d'autres choses. C'est le Seigneur qui t'a guéri. Gloire à Dieu. Effectivement, le Seigneur m'a guéri. Et depuis ce mois de septembre jusqu'en ce jour, plus de maladies. Jésus-Christ. Je suis plus partie à la pharmacie. Que la gloire, louange, l'honneur du soir. Nous faisons l'acclamation à Jésus-Christ. Avec des cris de victoire, Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Lacte Méliane Joanna, disciple du pasteur Menye Boniface. Je veux infiniment rendre grâce au Seigneur qui a renversé le prince du célibat dans ma famille. Gloire à Dieu. Pendant la croisade de l'année dernière, l'un de mes sujets, c'était le mariage. Je suis issue d'une famille de 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Et ma sœur est au Canada et moi je suis ici. Je bénis le nom du Seigneur. L'année dernière, je suppliais Dieu d'emmener nos mariages à l'existence. C'était mon premier sujet. Et l'un des jours de la croisade, j'étais à la maison, je n'avais pas pu venir sur le site. Et j'avais fini la prière que je suivais sur Internet. Et pendant que nous étions en train de prier, j'ai fait une vision. Dans la vision, je me suis retrouvée sur une étendue d'eau. Et un trône est sorti de l'eau, un trône blanc. Et le trône était loin de moi. Il y avait un homme noir, grand de taille, qui gémissait. Il gémissait, il dit, tu me troubles, tu me troubles. Il dit, oui, je vais te troubler jusqu'à ce que tu libères tout. Et à un moment donné, pendant qu'il était en train de gémir, un feu est sorti du ciel, là, projeté loin. Et puis je ne l'ai plus vu. Gloire à Dieu. Et en décembre, ma soeur a rencontré quelqu'un au Canada. En décembre, il a fait cococo. Et en mai, la dot a été effective. Gloire à Dieu. Et le mariage va se faire en février au Canada. Je veux dire merci au Seigneur pour sa main dans ma famille. Et je sais que le mien va suivre. Je suis consciente. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je sais que le mien est déjà là. Je sais que le mien est déjà là. Amen. Je suis le pasteur onané de la zone spirituelle de Koumassi. Jésus m'a guéri miraculeusement. Amen. C'est à septembre, ma santé était déjà préoccupante. Et l'édition du renversement des principautés de l'année dernière, j'ai présenté 10 sujets au Seigneur. Le premier sujet, c'était ma santé, parce que c'était préoccupant. J'ai fait plusieurs examens, mais ce n'était pas rassurant. Et j'ai mis en premier lieu le sujet de ma santé. J'ai dit au Seigneur, guéris-moi, puisque j'ai un enfant parmi les enfants, le dernier enfant, c'est une fille. Je l'ai pourtant nommée Emmanuel. Vu ce que Dieu a fait dans ma vie, je l'ai appelée Emmanuel. Mais elle n'entre pas dans le viseur de Dieu. Et si je ne suis pas là, sa vie est foutue. Elle descend carrément dans la rue. Donc je dis au Seigneur, je lui ai demandé, Seigneur, guéris-moi quel que soit le mal, pour que j'amène, quelles que soient les circonstances, Emmanuel, à toi, qu'elle te connaisse, qu'elle se convertisse. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça, en septembre dernier, je suis tombé malade. Une rétention urinaire absolue. Et j'ai couru à l'hôpital. Je suis allé, le médecin m'a aidé. Et les urines sont venues, j'étais content, je suis rentré à la maison. Le lendemain, la même chose s'est répétée. Et je suis encore parti. Il m'a aidé, mais il m'a dit, va faire une échographie. C'est ce que j'ai fait. Et l'échographie, à la lecture, à l'interprétation par le médecin, déclarait que j'avais le cancer de la prostate. Waouh! Mais cancer de la prostate, c'est effrayant. Parce que mon épouse défunte est morte du cancer du sein. Donc, à entendre le mot cancer, même, c'est troublant. J'étais avec les enfants, nos enfants, et donc, tout le monde était abattu. C'était un mercredi. Quand je suis venu à la maison, j'ai crié au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je suis dans la détresse. Il n'y a que toi pour me délivrer de ce mal. Délivre-moi. J'ai crié au Seigneur, pleuré devant lui pendant 2 jours, chaque nuit. Et le 3e jour, le vendredi matin vers les 4 heures, je reçois d'une manière claire du Seigneur, je te délivre du cancer de la prostate. Offrons l'acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to the Lord Jesus. Avec des cris de joie. With shouts of joy. Jésus-Christ. Jesus. Et le lendemain, c'était ça, c'est autour de 4 heures. Déjà à 6 heures, j'ai appelé les enfants à tour de rôle. Je leur ai dit, on n'a plus de problème. Je suis guéri. Le Seigneur m'a guéri cette nuit même. Il ne comprenait pas. J'ai dit, je suis guéri. Et donc, j'ai attendu le lundi pour retourner vers le médecin. C'est un urologue. Il est à l'hôpital général de Koumassi. Et je lui ai déclaré, docteur, je suis guéri. Il dit, comment ça guéri? J'ai dit, je lui ai dit, mais en même temps, quand j'ai fait les tours à l'hôpital pour guérir, pour la rétention urinaire, j'étais allé une fois. La 2e fois, il m'a placé une sonde, le même jour, le même matin où je suis parti. Parce qu'il m'a dit que mon urètre était frustré, avait été frustré par les premières interventions. Donc, il n'y avait plus de possibilité de passer par la voie normale pour débloquer les urines. Et donc, il m'a fait coucher pour déchirer mon bas-ventre et placer une sonde en contact avec la vessie. Gloire à Dieu. C'était troublant, mais selon lui, c'est par là qu'il fallait passer. Il n'y avait pas d'autre solution parce que mon ventre enflait. Et les urines étaient bloquées. Et il a débloqué la situation. Mais tout de même, le lundi, je suis allé lui dire que je suis guéri. Dieu m'a guéri, le Seigneur m'a guéri. Il dit, comment ça? Moi-même, j'ai un ami qui est urologue comme moi. Il est au Mali. Mais là, son frère qui est pasteur, j'ai précisé que je suis pasteur. Et son frère qui est pasteur a dit la même chose, mais aujourd'hui, il n'est pas parmi nous. Il est mort. J'ai dit, non, moi, je suis guéri. Il dit, OK. Il m'a tendu un bulletin, il dit, va faire le PSA. C'est un examen qu'on fait pour contrôler la présence du cancer. Le résultat est venu. 0 cancer. Oui, il faut l'acclamation à Jésus. L'offering to the Lord Jesus. Gloire à Dieu. Mais malgré ça, il ne croyait pas. Seulement, je pouvais l'abandonner, le quitter et puis rentrer à la maison. Mais la sonde qu'il a placée, c'était compliqué. C'était en contact avec ma vessie et il n'y a que lui. Il dit, il faut que je gère ça, sinon je vais partir. J'ai dit, je suis guéri. Malgré ça, il dit... Pour que lui soit convaincu, parce qu'il a fait ses études en Allemagne, en France, il m'a même montré des vidéos sur lesquelles il a intervenu, il m'a cité le témoignage d'un grand d'ici qui est parti par le même problème de cancer de la prostate. Donc lui, ce qu'il dit là, il est sûr de ce qu'il dit. Il faut qu'on passe à la biopsie. Ok, moi j'étais là à ce niveau-là, j'étais tranquille. Je me moquais de lui-même dans mon cœur. Gloire à Dieu. Et il m'a soumis à la biopsie. Il dit pour toi, je vais faire 4 prélèvements de l'organe qui a atteint là, c'est-à-dire la prostate. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Il a fait ces 4 prélèvements et qu'il a amené au laboratoire central. Toujours, il n'a eu aucun signe de prostate. Mais tenez-vous bien, il dit que lui, il est scientifique. Il ne peut pas donner un résultat sans preuve. Waouh! Donc, il me conduit jusqu'à l'intervention chirurgicale. Mais il dit, pour mon cas, il faut que ce soit fait au laser. Ah, toute la famille était autour de moi. Et donc, Dieu a posé. Et on est allé jusqu'à l'intervention par laser. Pas l'ancienne formule, mais par laser. Il dit, tu vas suivre avec nous. On va aller, tu vas suivre avec nous, tu es couché, tu vas observer sur un écran tout ce qui va se passer. Et puisque Dieu a déjà pourvu, toute la famille était dans la détresse. Et il nous a donné il nous a demandé 2,5 millions. 2,5 millions. Tout frais. Et Dieu a pourvu à ses moyens. On est parti et il y a une équipe de 4 médecins qui m'attendaient autour de la table. Et les quelques enfants qui m'accompagnaient là, ils étaient tous dans la détresse. Je les ai rassurés, j'ai dit non, je suis déjà guéri. Donc restez tranquille. Je me suis couché et il m'a fait ce qu'il devait faire pour ne pas que je sente ici, à partir de la partie inférieure, aucun traitement. Gloire à Dieu. Et il a commencé l'intervention. Premièrement, c'est la caméra qu'il a introduite à mon intérieur. Ensuite, le laser. Le laser, quand il l'a introduit, lui-même, il explore avec la caméra l'intérieur. Il tourne vers moi et dit, mon vieux, je ne vois vraiment pas de signe de cancer. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Offre d'acclamation. Jésus-Christ. Monsieur, la chambre qu'il avait demandé de réserver pour 3 jours pour que je sois mis en observation, lui-même, il a dit, si c'est pas que tu étais épuisé, éprouvé par la décharge électrique du laser, tu partais à la maison, mais attends, demain matin, tu vas rentrer chez toi. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai attendu le lendemain matin, mais il m'a affecté une infirmière pour me surveiller. Déjà, à partir de minuit, j'étais déjà réveillé. J'étais debout. Et l'infirmière en a eu pour ses oreilles. Parce que j'ai commencé à lui prêcher l'évangile. Jésus. Jusqu'à ce qu'elle prenne l'engagement de quitter sa dénomination pour nous rejoindre. Et le lendemain matin, effectivement, je suis rentré à la maison. Et Dieu m'a guéri, c'est comme ça. Dieu m'a guéri. Je vais lui dire merci pour son intervention. Parce que c'est un engagement que j'ai pris devant lui. Et Dieu exauce nos prières, les engagements pris devant lui, il bénit ça. C'est pour Emmanuel là et ma santé que j'avais pris cet engagement et Dieu a honoré. Aujourd'hui, je suis délivré, mais en même temps qu'il me guérissait du cancer de la prostate, il a réactivé toutes mes fonctions essentielles dans mon organisme. Jésus-Christ. La tension, la glycémie et tout ce que vous pouvez imaginer. Rafraîchi, rajeuni. Votre réclamation à Jésus-Christ. Alléluia. Moi, c'est la sœur Groto Cécile. Mon frère disciple, c'est pasteur Menye Boniface. Je veux dire merci à Dieu pour son serviteur qu'il a déposé en Côte d'Ivoire. Le brisement de Dieu qui est puissant. Je veux dire merci à Dieu pour cet homme qu'il a envoyé. Un don pour la nation ivoirienne. Un don pour la nation ivoirienne. Frère! Chez nous au village, si tu construis, tu vas mourir. Mon grand frère, depuis longtemps, j'ai commencé à prier pour la famille. Mon grand frère est parti en France. À cause de la sorcellerie, il n'est pas pu arriver ici. Pendant autant de frère Boigny, le frère Boigny l'a envoyé parler en étude. Il est resté là-bas à cause de la sorcellerie. J'ai commencé à crier à Dieu. Je vais dire merci à Dieu, il a déposé villa dans son village. C'est la main de Dieu. Je veux dire merci à Dieu. Ma fille, quand je suis arrivée à la CMCI, elle dit, maman, je vais couper une gnome avec toi. Quand je l'appelle, elle ne me répond pas. Mais avant-hier... Elle veut dire couper une gnome. Elle veut dire, t'as dit, je ne me sépare pas avec elle. Couper une gnome, là, t'as dit, elle, moi, là, je n'ai plus ça. Et moi là, ce n'est plus ça. Et j'ai commencé à crier à Dieu 2020 choses. Et quand l'année qui a passé, 21, 2, 3, quand je suis venu, j'ai commencé à crier à Dieu. Avant que papa dit, il dit, réconciliez-vous. Si tu te t'en parles avec ta fille, avec ta famille, réconciliez-vous. Quand j'ai commencé à crier, ma fille elle est venue, elle dit, maman, je te demande pardon. Je t'offris une maison. Elle a construit une maison, une villa. Elle dit, on s'est réconcilié. Voilà la villa que je t'offre. Jésus. Je vais dire merci à Dieu pour ton serviteur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mon nom c'est Marie Zobré. Mon faiseur c'est Maman Bézo Chantal. Je viens de Soubré. Je suis passée là pour dire merci à notre papa Menye Boniface. Parce que lorsque j'étais rejetée par tout le monde, quand il m'a appris, il a dit, sois dans le repos. C'est la dépression. Tu seras délivré si tu crois. Et effectivement, j'ai cru à sa parole. Et Dieu m'a délivré de la dépression, de la sorcellerie. Et le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Il m'a béni parce qu'on m'avait arraché tout. Ma maison que mon fils a construite, on me l'avait arrachée. Mais par la grâce de Dieu, j'ai obtenu cette maison. Le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Après le défunt de mon époux, vraiment, le Seigneur me suivait. Il n'y avait personne pour me suivre, mais le Seigneur était avec moi. Lorsque j'ai déposé les papiers, le premier mois, deuxième mois, la passion est venue. Gloire à Dieu. Donc je suis venue pour dire merci à notre papa Menye Boniface. Qu'il prenne cette enveloppe pour payer de l'eau et que le Seigneur lui donne une longue vie pour veiller sur nous. Au nom de Jésus. Et mon deuxième témoignage, lorsque j'étais venue 2021-22, j'ai fait une promesse. J'ai dit, mes parents, tout le monde m'a abandonné. Mais Seigneur, tu n'es pas un Dieu qui abandonne. Je veux la réconciliation. Et mon petit frère, je me suis réconciliée avec lui. Et ma dernière fille, j'étais au marché, elle m'a appelé, maman, je te pardonne. Tout ce qui s'est passé là, je te pardonne. Pardonne-moi. Et je t'apprends que j'ai eu un concours d'aide comptable. Gloire à Dieu. Jésus. Et pendant les fêtes des mères, eux tous, ils m'ont appelé pour me souhaiter bonne fête, maman. Gloire à Dieu. Et j'ai la paix aussi avec mes beaux-parents, on s'est réconciliés. Vraiment, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je lui suis reconnaissante. Et j'avais dit que je devais donner une petite enveloppe pour 10 briques de ciment pour la construction d'Attiékoa. Vraiment, je remercie le Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie. Merci Seigneur, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi l'élévation. Au nom de Jésus. Amen. À Dieu. Je suis la sœur Épiphanie Cadio. Mon frère de disciple, c'est le pasteur Assalé de la Palmeraie. Je vais dire merci à Dieu parce que notre Seigneur Jésus-Christ exauce les prières. L'année passée, j'avais rendu le témoignage pour dire qu'au troisième jour, j'avais reçu une vision où le Seigneur m'avait donné un enfant. Et le Seigneur a exaucé vraiment les prières. Et le pasteur Menye même avait dit que à cette même période, tu vas envoyer l'enfant ici. Alléluia. Jésus-Christ. Jesus. Et je dis merci à Dieu parce que j'ai envoyé l'enfant. Alléluia. Et voici le bébé qui est là. Bénissons le bébé. Lève ta main. Let us bless the baby. Raise a hand. Dis merci à Jésus. Say thanks to the Jesus. Père, nous te disons merci pour cet enfant. Nous la consacrons à ton règne. Nous la protégeons de toutes les maladies de ce siècle. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça va t'arriver. It will happen to you. Moi, c'est la sœur Yeboa, épouse Kwadjo. Mon faiseur de disciples, c'est le missionnaire d'Assuéfri, le pasteur Asiedou. Je vais dire merci à Dieu. Il faut dire que l'année passée, pendant les renversements des principautés, Dieu a exaucé l'un de mes prières. J'étais enceinte et après le mariage, j'ai pris une grossesse. Quand j'ai accouché, après l'enfant est mort. Et quelques mois après, j'ai pris une seconde grossesse. J'ai vu que le sang commençait à couler sur la grossesse. Et la grossesse est tombée, j'ai fait une fausse couche. Et Dieu m'a béni encore avec une troisième grossesse. Je suis allé informer à mon pasteur. Nous avons fait l'écho et ils ont déclaré que c'est les jumelés. Et le jour que je suis allé informer au pasteur, le pasteur a prié pour moi. Ce qui m'a paru encore bizarre. J'arrive à la maison et je commence à saigner sur la grossesse. Mon mari me dit non, allons à l'hôpital. Et j'ai dit à mon mari que nous prions. Si c'est un esprit qui est en train de provoquer ces fausses accouchements après le mariage, que quand nous allons partir chez le pasteur, qu'on reprend immédiatement mon brisement des liens cette nuit-là. Et nous avons fait la prière. Nous sommes allés chez le pasteur. Nous sommes arrivés aux environs de minuit par là. Et vraiment, Dieu a orienté immédiatement le pasteur. Ils ont repris le brisement des liens. Le lendemain, je me suis retourné à l'hôpital. Ils m'ont dit d'aller directement à Bondokou pour aller faire l'échographie. Et en allant emprunter, Dieu m'a parlé clairement que ces deux enfants ne sont pas touchés parce que j'ai déjà fait le travail dans le spirituel. Et j'ai appelé mon grand frère Émile. Je lui ai fait part. J'ai appelé encore mon faiseur. J'ai dit, Dieu m'a déjà parlé, mais je m'en vais faire l'écho quand même. Je suis arrivé. Le monsieur m'a dit, madame, c'est les jumelés. J'ai dit, oui, que je sais. Il dit, mais pourquoi? J'ai dit, non, que j'ai saigné sur la grossesse. Mais moi-même, je sais que les enfants sont là. Il dit, effectivement, les enfants ne sont pas touchés. J'ai vu l'intervention de Dieu. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu m'accordes que j'accouche dans de très bonnes conditions, sans césarienne, je vais te donner 30 000 francs. Et Dieu m'a exaucé. Il faut dire que le garçon n'est pas resté, mais Dieu nous est béni avec cette soeur qui s'appelle Gracielle. Je vais vraiment dire merci à Dieu parce que Dieu m'a exaucé. Et Dieu a fait tomber son esprit qui me faisait faire les fausses accouchements après le mariage. Que son Saint-Nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bénissons l'enfant. Cachons dans le sang de Christ. Protégés totalement contre toutes les maladies de ce siècle. Amen. Merci. Ceux qui ne me connaissent pas, c'est la sœur Ya et Génie. Mon faiseur de disciples, c'est pasteur Kramoua et les Zoué. Frère, il faut dire que je vivais dans une situation difficile, en concubinage avec mon mari, depuis dans les années 1990. Dans ma famille, on adorait les fétiches, on faisait les comiens. Et vraiment, avec mon mari, mes quatre enfants, on a souffert. On ne sait même pas où trouver la solution. Et j'ai pris la décision de chercher Jésus pour que Jésus me sauve. Et je partais dans les églises évangéliques, catholiques. Il n'y a pas eu de solution. En plus de ça, j'ai été gravement malade. J'ai parcouru des hôpitaux, pas de solution. Et vraiment, comme le Seigneur vivant, il a permis que mon mari ait un concours et il soit fêté à Élézoué. Et c'est là-bas que j'ai trouvé le Seigneur Jésus, le vrai Jésus. Jésus-Christ. Jésus. Gloire à Dieu. Et quand j'ai trouvé ce vrai Jésus, le pasteur m'a conduit à la repentance. J'ai fait mon baptême. Même avant de faire le baptême, je disais que j'ai fait le baptême avant dans les autres églises. Il dit non, ce n'est pas le vrai baptême. Qu'il faut faire ta repentance, le baptême, le brisement de liens, afin que tu sois sauvé. Et j'ai fait ça. Gloire à Dieu. Et quand j'ai fait ça, j'ai fait l'abstinence avec mon mari. J'ai parlé à son cœur que vraiment, je vais aller au ciel, que je vais m'absenter avec lui. Il a compris. Et on a fait 1 an d'abstinence avec mon mari. Et après... Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Et après les 1 an, la fille de la croisade l'an 2019, à la fin de la croisade, il m'a donné l'argent. Il dit, va faire ta dot. Et je suis parti au village, j'ai fait ma dot. Quand j'ai fini ma dot, les portes de mes enfants ont souffert. Et mes enfants, le premier a eu aussi sa dot. Ma première fille a eu sa dot, son mariage. Alléluia. Jésus. Et ma famille aussi a fait le mariage. Mon grand frère aussi a fait le mariage. Et après cela, ils ont eu le mariage moi-même. Le 1er juillet, l'an 2022, comme aujourd'hui, le Seigneur a ramené mon mariage à l'existence. Et j'ai fait mon mariage le 1er juillet, l'an 2022. C'est pourquoi ce soir, je vais être infiniment reconnaissant avec mon Dieu qui m'a délivré. Et il m'a béni, il a béni mes enfants de toutes sortes de bénédictions. Que l'honneur, la gloire lui revienne. Amen. Je suis la sœur Sidoni Yaoulia. Je viens d'accouper. Le pasteur qui me suit, c'est pasteur Ossé. Et il a suivi maman. Il a été avec maman avant qu'elle ne parte en France. Elle a eu bénédiction de Dieu. Elle devait venir se remercier le Dieu. elle n'a pas pu, elle est partie, puisque ça a été brusque, elle est partie rapidement. Donc, le merci de Dieu, je suis là aujourd'hui pour lui dire merci. Parce que ce qu'il a fait pour elle et ce qu'il a fait pour moi, c'est trop gros, c'est gros. Donc voilà pourquoi je suis là, pour dire merci à Dieu. Ce matin, la vieille, elle est partie. Mais avant de partir, moi j'étais malade. J'avais tension, diabète. J'étais à Abidjan pendant des années avec cette maladie. Partout où je passe à l'hôpital, on me dit non, ça là c'est pour la vie. J'ai dit, c'est pas possible. Comment je peux vivre comme ça pour toute la vie? Maman, avant de partir, elle a dit, ma fille, il faut rester. Ta santé là, ça va aller. Va dans mon église, tu vas guérir. Jésus va te guérir. Dieu est là-bas. J'ai dit, ah, ça c'est possible. Le médicament, je prends là. Je paye à la pharmacie, c'est de l'argent. Il y a un piqûre que je prends, je paye à 10 000 francs chaque semaine. Si je n'ai pas pris piqûre là, mes soeurs, mes frères, je me retrouve à l'hôpital, je meurs. Et je vis comme ça, avec les médicaments, 4 médicaments, dont j'étais dans ça. Donc, quand je suis partie au village pour remplacer ma maman, j'ai rencontré le pasteur Ossé. Et je l'ai parlé, j'ai dit, papa, je suis venu à une maladie. Voici une maladie là, j'ai tourné partout à l'hôpital, on me connaît, pharmacie, on me connaît. Donc, on me dit, c'est pour la vie. J'ai peur. Ouais. Il dit, ma fille, le moment que tu as eu le courage, tu es venu me voir, Dieu va te guérir. Médicaments comme je paye 10 000 francs par mois, par jour, par semaine, le docteur m'a arrêté ça. Acclamons Jésus-Christ. Acclamons Jésus-Christ. Donc je suis là pour vous dire merci. Un grand merci. Merci. Acclamons pour dire merci avec elle. Je m'appelle Kambo Élisée. Mon faisait d'ici, c'est tapé à ce tout. Je veux rendre gloire à Dieu parce qu'il m'a délivré de, pendant la croisade de 2022. J'ai cru en 2022 pendant la croisade même. Mais quand j'ai cru en même temps, ça considéré en même temps avec la croisade, donc je me suis jetée dans le gène. Dieu m'a délivré de mari de nuit que je souffrais depuis pendant, quand j'avais 10 ans. 2022, ça fait 15 ans, parce que 2022, il y avait 25 ans. Ça fait 15 ans. En tout cas, je souffrais. J'étais enfant, mais je souffrais. Quand j'étais petite, la nuit, je dors, je me réveille, je me retrouve nue. À chaque fois, je dors, je me réveille, je me retrouve nue. Maintenant, quand j'ai grandi, j'ai commencé à aller aux AD. Là-bas, rien ne va, tout en même chose. Quand on me baptisait, j'ai dit après baptême, ça va aller. Après baptême, c'est devenu pire même. Maintenant, c'est ça, il y a ma soeur qui venait, et puis il y a des soeurs de l'église qui venaient, ils m'exhortaient de venir ici, de venir. Je dis, ah, moi je ne vais pas, parce que dans votre église, vous parlez de trop de miracles, ou on parle de miracles, c'est que c'est pasteur là, ils s'en vont prendre médicaments pour venir faire tomber les gens. Donc, ils refusaient. Mais quand j'ai vu qu'après mon baptême, ça n'allait pas, j'ai décidé maintenant de venir. Et je venais, ça a considéré en même temps avec la croisade de 2000. Ça a coïncidé avec la croisade de 2022. Et mon premier sujet, c'est que je sois délivré. Je cherchais Dieu, que je sois délivré de ces démons-là. Et quand ils ont fait ma repentance, mon baptême, ça n'allait pas. J'avais pris décision même de me retourner. Mais quand je suis venue à Attiékoa, j'ai vu la main de Dieu. J'ai su que à la CMCI, Jésus est présent. Jésus que je cherchais pendant 6 ans aux AD, à la CMCI, je l'ai trouvé. Quand je suis venue, quand je suis arrivée même, ça n'a pas duré. Dieu m'a montré clairement en songe. Je vois, je marchais avec un homme, avec 3 enfants. Et non, et 2 enfants plus un chiot dans ma main. Maintenant, on rentrait dans une maison. Quand on est rentré, Les deux enfants se sont transformés en chiots. Et puis, le monsieur aussi s'est transformé en chien. Et puis, tous se sont retournés contre moi. Mais Dieu m'a donné la victoire pour les déchirer. J'attrape l'autre, je découpe. J'attrape l'autre, je découpe. Jésus-Christ. Après ça, je me suis dit que peut-être je ne suis pas encore déliatant, parce que ça là souvent ça arrive, ça passe, ça revient, ça passe, ça revient. Mais je vous l'assure que depuis 2022, pendant la croisade, quand je suis repartie à la maison, je n'ai pas reçu de visitation de mari de nuit jusqu'à aujourd'hui. Je suis Jésus-Christ. Jesus. Et ce mari de nuit m'avait rendu malade, il était tout le temps malade. Maux de ventre, maux de tête. Quand je venais ici même, là, je ne voyais pas clair. Ma grand-soeur même avait peur. Je ne voyais pas clair. Mais je me suis retournée libre. Je voyais clair. Amen. Je suis le frère Bété Gouagui Landry. Mon faisait de disciple, c'est le pasteur, c'est le papa Boigny. Il faut dire que j'ai commencé à travailler, on va dire, très jeune. Et en tant que jeune, j'ai vécu une vie de débauche jusqu'à embrasser certains sectes, tels que la rose croix, Maïkaï et plusieurs d'autres choses, et faire des pratiques aussi mystiques. Mais malheureusement, au regard de tout ça, j'ai tout perdu et j'étais super misérable. Misérable à tel point que c'est ma mère dont je devais m'occuper qui me donnait même 100 francs pour pouvoir sortir. Et en 2022, lorsqu'il a eu la croisade, elle m'a invité. Elle m'a dit, viens assister à la croisade. Donc j'ai dit, il n'y a pas de souci. Et pendant ce temps, je postulais. Mais quand je faisais des posts, quand je postais et je postulais plutôt, lorsqu'on m'appelait après l'entretien, j'échouais. Et je suis arrivé à la croisade. Dès que j'ai mis pied, c'était le samedi 9, je crois. Et le lundi 11, je suis venu le samedi et le dimanche. Le lundi 11, on m'appelle pour un entretien. Je vais faire l'entretien. À 8h, comme par hasard, avec le même témoignage, à 8h, et en allant en cours de route, à midi, on m'appelle pour me dire, on te nomme en tant que responsable parc auto d'une entreprise de télécommunications. J'étais tellement dépassé que j'ai dit, waouh, c'est que le Seigneur, il agit. Donc j'ai continué à venir, et après cela, le Seigneur a permis que moi qui n'avais rien, je puisse obtenir 2 terrains et en plus je suis propriétaire d'une entreprise de livraison. Et j'aimerais rendre toute la gloire au Seigneur par ce témoignage. Vraiment que le Seigneur soit béni au nom de Jésus. Amen. Je suis le frère Sassou Carmel, disciple du pasteur Menye Boniface. Je voudrais dire infiniment merci au Seigneur Jésus-Christ qui m'a exaucé au cours de la croisade de renversement des précédés personnels et familiales de 2022. Au cours de la croisade, j'ai demandé au Seigneur de protéger mon travail parce que l'année passée, j'ai travaillé seulement sur un projet de 3 mois. Et après ça, je n'avais plus de projet. Et donc, l'entreprise dans laquelle je suis, si tu ne travailles pas sur un projet, ça veut dire que tu n'es pas productif. Et ton poste est menacé. Jusqu'en novembre, décembre, je n'avais pas de projet. Et donc, ma patronne a demandé que la procédure de licenciement soit engagée. Elle m'a appelé, elle a demandé, on fait comment ? Je lui ai dit, si c'est ça que tu dois faire, engage la procédure, mais moi je sais que le Dieu que j'adore va intervenir. Alléluia! Parce que j'ai prié à Attiékoa et aussi je finissais un jeûne complet de 40 jours. Elle a dit, ah, elle-même, elle sait que si j'ai fait un jeûne de 40 jours, c'est sûr que Dieu va agir. Alléluia! Acclamation, clap of praise. Effectivement, elle a contacté les ressources humaines. Et en janvier, le 19 janvier, elle m'a dit, j'attends le retour des ressources humaines sur la procédure. Alléluia! Frère, le Seigneur est puissant. Dieu, par sa grâce, a permis qu'un ancien patron m'appelle. Et il me dit, est-ce que tu veux toujours travailler avec nous? Et dès le 1er février 2023, on m'a mis sur un autre projet de 3 mois. Et lorsque nous avons fini les 3 mois, le projet a été reconduit jusqu'à la fin de l'année. Et ainsi, mon travail est protégé. Et je veux dire infiniment merci au Seigneur Jésus-Christ qui préserve l'emploi de ses enfants. Que toute la gloire lui soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je me présente, je me nomme Clément Nyamba, j'ai pour faiseur de disciples le pasteur Traillé. Il faut dire que j'ai accepté le Seigneur véritablement l'année passée, lors de la croisade. Et pendant que j'étais ici, je m'étais inscrit pour 5 concours professionnels de la fonction publique. Et lorsque j'étais ici, j'ai prié pour cela. J'avais même parlé de ça à mon faiseur de disciples. Et nous avons mis cela en prière. Et après les différentes compositions, puisque les résultats sortaient par vague, les 4 premiers résultats sont sortis et pour emprunter le terme aux jeunes gens, j'ai tapé poteau. Et j'ai appelé mon faiseur de disciples pour lui dire que je suis venu à Attiékoa, j'ai dormi dans le four, j'ai bravé la pluie, j'ai bravé le vent, j'ai bravé tout, j'ai prié, mais déjà 4 concours sont passés sans succès. Il m'a dit, sois dans le repos, vis et tu vas voir combien de fois Jésus-Christ est bon. J'ai dit, j'ai compris. Je lui ai dit, j'ai compris. Et lorsque un matin j'arrive à l'école, pour votre gouverne, je suis instituteur. J'arrive à l'école, il y a la collègue d'à côté qui m'appelle pour me dire qu'il y a une vague de résultats qui est sortie. J'ai dit, ah bon? Elle dit oui. J'avais le cœur qui battait la chamade. Et j'ai dit à mon cœur, Seigneur, que tout me soit fait selon ta volonté. Et je suis allé vers elle. J'ai dit, il faut faire entrer mon numéro. C'est mon dernier, pour parler comme les jeunes gens, c'est mon dernier kata. Faire entrer mon numéro, on voit. Quand elle a fait entrer mon numéro dans son portable, lorsqu'elle a validé, c'est sorti félicitations. C'est sorti félicitations. Et j'ai appelé mon épouse pour lui dire ça et elle était très contente. Et beaucoup m'ont demandé quel était mon réseau. Je leur ai dit non, je n'ai pas de réseau particulier. Via la CMCI, mon réseau se trouve là-bas, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc je voulais dire merci au Seigneur d'avoir exaucé cette prière-là. Moi c'est la sœur Bakayoko Ruth. J'ai pour faire les disciples de pasteur Jean-Paul Zinta. L'an passé, moi j'ai cru en octobre 2022. Et l'an passé, l'un de mes sujets était d'avoir un emploi. Et à chaque fois, même aux veillées, aux adorations, je donnais le sujet que Dieu m'exauce pour me donner un emploi. Et hier, j'ai fait 2 stages, un stage de 3 mois et un stage de 6 mois. Et hier, j'ai eu un message sur mon téléphone où on m'avait appelé pour un entretien. Donc, je suis allée à l'entretien, j'ai fait l'entretien et tout. On m'avait dit qu'au cours de la journée, que si j'étais retenue, j'allais recevoir un message au cours de la journée. Donc, j'ai dit « Ok ». Donc, au cours de la journée, je n'ai pas reçu de message. Donc, j'étais découragée. J'ai dit à mon faiseur même que je n'ai pas été retenue. J'ai dit à certains frères aussi que je n'ai pas été retenue. Et eux tous m'ont dit la même chose. Ils ont dit gloire à Dieu que de continuer à postuler. Il ne faut pas je vais me décourager. Et ce matin, lorsque j'étais ici, lorsque les gens ont commencé à rendre témoignage, et bon, je prends mon téléphone, je vérifie, et on me dit félicitations, vous avez été retenu. Que dès ce lundi, je commence ma formation. Amen.